Donc, ça, c'est une notion qui est extrêmement importante au niveau de GLPI, au niveau de cours assistance technique là. Y a un utilisateur qui gagne un problème, qui a un incident qui révèle, ou bien qui gagne une demande pour le faire au niveau de équipe informatique là, et bien Libral fait ça relais un ticket. Donc pour le moment, on a regardé bien, nous gagnons au niveau de administration, au niveau de utilisateur, et nous gagnons un utilisateur qui est Yannick, que nous avons regardé là. Donc Yannick, c'est un simple utilisateur. Donc nous pourrons connecter en tant que Yannick et nous pourrons créer un ticket pour utilisatrice ça. Donc ça a fait, nous avons fait déconnexion au niveau de GLPI pour nous déconnecter sous compte GLPIA et puis nous pourrons connecter en tant que Yannick. Donc identifiant, c'est Yannick et mot de passe lit, c'est passe 1, 2, 3. Et n'a validé. Donc, si nous regardons bien Kounia, là, nous regardons au niveau de l'écran, nous avons remarqué bel et bien que c'est Paul Yannick qui est actuellement est connecté. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça nous remarquons? Nous remarquons nous avons une option là qui marquait créer un ticket. Donc, nous avons cliqué sur créer un ticket. Alors, avant tout, nous avons remarqué que nous gagnons une présentation là, un rapport de ticket. Donc pour le moment là, on a remarqué que pas grand qu'un ticket qui encore attribué. Hein? Donc ça n'a fait, nous qu'à cliquer sur créer un ticket en haut, ou bien nous cliquer sur créer un ticket à ce niveau. Nous cliquer. Voilà. Maintenant, donc utilisateur Yannick pral fait on demande ou bien pral déclarer un incident. Donc pour cela, là nous remarquons, notre type de ticket, c'est qu'il doit un incident, c'est qu'il doit une demande. Donc là, on a défini comme un incident. Donc là, nous avons défini catégorie d'incident, etc. Moyenne, urgence et ticket. Ah, ce sont urgences moyennes, ce sont hautes urgences, etc. Donc, on a dit son urgence moyenne, pas un problème. Et puis, nous avons défini ce que ça ticket a apporté, etc. Ensuite, nous avons défini un titre pour ticket. Ah. Donc, qui problème Yannick est confronté? Il gagne un scanner. Donc, scanner. Donc, il y a un scanner li. OK. Ne peut démarrer. Donc, voilà. Nous titrer ticket à scanner ne peut démarrer. Donc, écoutez là, il va bail en description de incident. OK. Donc, mon scanner refuse de démarrer. Le bouton est bien allumé, mais la commande est lancée sans succès. Voilà. Donc, il définit incident. Donc, mon scanner refuse de démarrer. Ça, c'est description incident. Ticket A. Mon scanner refuse de démarrer. Le bouton est bien allumé, mais la commande est lancée sans succès. Donc, Kounia là, il doit, en plus de description ça, il doit ajouter un fichier à Ticket A. Donc, à message là. Donc, Kounia là, ça n'a fait. N'a cliqué sur envoyer message. Utilisateur là, voyez message là, allez. Donc, il dit nous là, élément ajouté avec succès, scanner ne peut démarrer. OK, donc, on y a ça à faire. Nous pral, en tant que super admin ou bien en tant que technicien, nous pral répondre, n'est-ce pas, à et problème ça. Nous pral répondre à ticket ça. Donc, là, on a fait déconnexion et nous pral monter ce système là en tant que yon technicien. Donc, nous avons technicien qui gagne comme nom Polo Maxo. OK. Et puis, il gagne comme mot de passe 1, 2, 3. Donc, là, nous pouvons remarquer que technicien ça, voilà, il va regarder pour le et au niveau de système, non, il va regarder pour le qui ça gagne comme ticket. Donc, là, au niveau de
assistance. Vous remarquez bien que nous montons comme Paul Max Bruno. Maintenant, au niveau de assistance, vous allez remarquer au niveau de ticket, la cliquer sur ticket. OK? Et vous regarder pour voir qui ticket qui n'est-ce pas pour traiter. Donc là, pas oublier que ticket c'est un message que un utilisateur lui transmet à système là à helpdesk là et qu'il y a là pour que lui joigne aide. Donc qu'il y a là, ça n'a fait nous remarquer bien que nous jeune un ticket scanner ne peut démarrer donc n'a cliqué sous lui en tant que technicien et libral résoudre lui libral bail moun nan yon aide. Donc là pour le moment si nous regardons bien n'a remarqué que maintenant moun qui fait ticket a, donc c'est Paul Yannick nous li, et mais qui date que ticket a li fait mais à qui le que li fait etc mais qui type ticket a hein etc et mais urgence ticket a etc. Donc mes demandeurs là c'est Paul Yannick, OK. Maintenant ça nous va le faire lui même en tant que et technicien il va ajouter un suivi à ticket que Yannick voyait. Donc ça l'a fait l'a cliquer sur ajouter un nouveau suivi. L'a cliquer sur ajouter un nouveau suivi, voilà. Voilà et il va le faire un suivi pour ticket ça. Donc là suivi c'est qui ça va lier. Donc, et c'est essayer de déconnecter et reconnecter votre scanner. Si cela persiste, faites-moi savoir. Voilà, nous fait et puis nous fait un ajouter. Donc ça c'est un suivi qui fait à ticket que Yannick t'a voyé, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc on y a là nous avons suivi qui fait de ticket. On y a logiquement que ça nous va le faire, c'est déconnecter en tant que technicien, hein? OK? Et puis reconnecter en tant que Yannick et puis nous pral entrer mot de passe li et lui même qu'on y a li pral répondre à suivi ça. Donc comprendre logique là au niveau de un système et qui en réseau donc le ça chaque monde tape sous poste par yo et puis travail là a fait. Donc là son simulation a fait pour nous faut comprendre comment pour créer un ticket, comment pour répondre à un ticket etc. Maintenant là nous gagnons ticket. Maintenant au niveau de ticket, nous allons cliquer et nous allons voir. Voilà. Donc nous avons un ticket là que Yannick t'a fait. Nous cliquons sur lui. Voilà. Et pour le moment, nous voyons que gagne un suivi, n'est-ce pas, de ticket là qui fait. OK? Donc essayez de déconnecter et reconnecter votre scanner. Si cela persiste, faites-moi savoir. Donc, on y a là, nous supposons que l'utilisateur là pourrait essayer de faire ça ou d'y le faire. Voilà. Donc la fin essayer fait ça au dit le faire hein? Et puis aussitôt que toute bagaille en forme donc là il a ajouté à ticket un nouveau suivi donc l'a fait ajouter un nouveau suivi voilà et puis il va le bail maintenant en réponse donc cela ne fonctionne pas malgré la déconnexion. Cela ne fonctionne pas malgré tout. Voilà. Donc, ils répondent, ils font suivi, n'est-ce pas? Et puis, hein, là, va ajouter que dois-je faire? Ok, s'il vous plaît. OK. D'accord. Donc on y a là la fait ajouter et voilà. Donc on y a nous remarquer bien que c'est comme ça travail là va le faire. Donc c'est utilisateur là qui est posté un ticket, technicien répond ni, lui répond ni à nouveau et jusqu'à ce que nous joignons une solution à problème là. OK? Donc maintenant nous va le déconnecter en tant que utilisateur là encore et nous va le reconnecter en tant que technicien pour le Maxo. Et n'a mettez passe 1, 2, 3. Voilà.
Donc, on y a là, en tant que technicien, on va vérifier au niveau de assistance, au niveau de ticket. Voilà. Et m'a remarqué que m'a toujours gagné ticket ça là, m'a cliqué sur lui. OK. Voilà. Et m'a remarqué que au niveau de ticket a un nouveau suivi qui fait. Donc, il dit que cela ne fonctionne pas malgré tout. Que dois-je faire s'il vous plaît? Donc, qu'on y a là, ça m'a fait en tant que technicien, m'a ajouté un nouveau suivi. Voilà. Et puis m'a dit pas de problème. Pas de problème. Un petit pas de problème. Je vais réinstaller votre scanner à distance. Essayez à nouveau dans une heure votre scanner. Voilà, notre technicien dit pas de problème, je vais réinstaller votre scanner à distance. Essayez à nouveau dans une heure votre scanner. Et puis il y fait ajouter. Donc ça c'est un nouveau suivi qui a fait. Et maintenant au niveau de système, nous ça nous va le faire. Nous allons retourner en tant que Paul Yannick. Voilà, on a pas entré Yannick. On a pas entré mot de passe li, qui c'est passe 1 2 3. Voilà. Et kounya là nous allons répondre. Voilà, donc là au niveau de ça là, nous gagner nouveau et puis là nous allons gagner pour nous cliquer sur lui. Voilà, et gagnons l'autre suivi qui fait là, nous allons voir, voilà. Pas de problème, je vais réinstaller votre scanner à distance. Essayez à nouveau dans une heure votre scanner. Donc, pas de problème, qu'on y a la salle à faire. On dit que une heure temps écoulé. Donc, l'ISC est scanné, et puis tout bagaille marché. Et puis, qu'on y a là, l'a fait qui ça? L'a ajouté un nouveau suivi. Et puis, l'a dit, good. Mon scanner fonctionne à merveille. Merci pour tout. Et bonne journée. Donc, la fait ajouter. Donc, sa technicien te proposé comme solution li marché. Et comme suivi en li marché. Donc qu'on y a pas de problème, n'a déconnecté en tant que Yannick et nous va le reconnecter en tant que technicien qui est Polo Maxoa. Voilà. Et qu'on y a là, nous va aller au niveau de assistance ticket, nous va le vérifier, n'a cliquer sur même ticket ça. Et voilà. Maintenant qu'on y a là, ça technicien va le faire. Technicien li voilà li supposé qu'il y a là pas un problème. Donc qu'il y a nous en mesure n'est-ce pas comme on a dit nous tout bagarre marcher tout bagarre en forme mais nous en mesure qu'il y a pour nous n'est-ce pas et ajouter une solution. Donc là les ajoute une solution à Tikea. Tikea ça c'est pral clos. Donc là dans niveau ça on a fait solution, regardez bien. Maintenant au niveau de solution dans onglet solution on a descend voilà. Et nous pourrons créer une solution pour ticket ça. Donc, ça n'a fait. Donc, là, nous avons défini un gabarit de solution. Nous avons défini un type de solution. Et si nous voulons, nous avons ajouté solution ça à la base de connaissances. Donc, la base de connaissances, c'est un ensemble de connaissances que nous gagnons de système. Non? Des problèmes qui te résoutent déjà. Et bien, nous avons ajouté toute solution nous, à la base de connaissances. On l'autre fois, tu as un autre problème, même genre qui posait. Technicien, tu as allé dans la base de connaissances non? Pour louer qui ça qui t'est porté comme solution. Donc là, on a dit oui, ajouter à la base de connaissances. Et là, on a fait qui ça? On a tapé, n'est-ce pas, solution. On a décrit qui ça t'est porté comme solution à problème. Non? Ok? OK, n'a mette problème de scanner qui ne peut se lancer.
Et qu'est-ce qu'on a, on doit apporter comme solution? Il faut réinstaller les drivers de ce matériel et tout ira bien. Bon, on dit que ça sont solutions que nous mettez et puis nous fait actualiser. Voilà, maintenant automatiquement que nous fait actualiser, voilà, mais solutions que nous portez à, voilà. Pas de problème et puis nous fait ajouter, voilà. Donc nous ajouter li, pas de problème et voilà. Donc maintenant nous avons une solution à problème scanner ne peut démarrer, hein, nous voilà. Donc élément ça li ajouté à la base de connaissances. OK. Donc nous pas de problème et puis kounya là ça passé. Nous pral fermer et nous pral monter en tant que Yannick, voilà. Et ça n'a pas remarqué. N'a pas remarqué. Aussitôt que nous créons solution pour ticket, donc n'a pas remarqué là, ouais, pas de ticket qui en cours. Si nous regardons là, dans le rapport là, n'a pas ticket résolu, nous est 1. Et si nous regardons dans résolu, nous cliquons, qui ça n'a pas remarqué. Et bien voilà, hein, nous est ti icône ça, hein, et marqué résolu sur côté. Mais dès que nous est ti icône ça au niveau de yon ticket, ça veut dire que ticket, ça son ticket qui résolu. OK, donc là on regarde encore, on a cliqué sur lui et puis on a remarqué que ticket a li bel et bien résolu. Donc son ticket qui résolu parce que nous créons une solution pour lui. Dès que on ticket gagne une solution qui crée pour lui, son ticket qui résolu. Donc ça s'est arrivé que hein, donc là nous remarqué que nous ca faire, nous ca font commentaire. Donc si nous accepter solution, hein, donc et là nous ca faire solution approuver, nous mettons commentaire, hein. Hein, si et puis nous l'a dit tout solution rejetée si au cas que solution ba nous on nous pas accepter. Donc là Yannick en tant que utilisateur qui a fait une solution approuvée. Donc s'il si, ca mettre un commentaire tout s'il voulait, hein, et puis il mettait solution approuvée. Donc là les facultatifs vous pas obligé mettre commentaire. Donc on fait solution approuvée. Voilà. Et tout bagaille OK. Donc travail là fini. Donc voilà. Donc si on aller maintenant au niveau de ticket, n'a pas remarqué que voilà pas gain ticket pour le moment parce que ticket ça dès que li résolu c'est fini, nous pas gain ticket encore. Donc nous sommes trouvé comment nous capable faire pour nous créer un ticket, poster un ticket en tant que technicien, faire un technicien répondre à ticket, à faire un suivi, n'est-ce pas, suivi de la part du technicien, suivi de la part et de l'utilisateur. Et puis, en tant que technicien, comment nous sommes capables de mettre fin à un ticket en créant une solution. Donc, nous sommes trouvés dans GLPI, comment nous pouvons gérer, faire gestion un ticket. Créer un ticket, faire un suivi, hein, et puis créer une solution pour le ticket. Ça. Donc, c'est un tutoriel qui est un long. Donc, prends temps, prends temps pour nous comprendre, pour nous essayer de faire plusieurs fois. Et puis, tout bagay OK. N'ap di nou, merci. Pratiquez. Merci. À très bientôt.